chacun d'entre vous. Que puis-je dire? Vous aviez promis de faire rêver les supporters et le grand public camerounais et vous avez tenu vos promesses. Étant en cela fidèle à l'engagement que vous avez pris de donner suite à l'interpellation du président de la République qui, à la veille de votre premier match, vous demandait de défendre les couleurs de la patrie avec ferveur, ardeur, vigueur et patriotisme. Ce soir encore, vous avez démontré la force, la puissance de votre engagement et vous honorer le stade de Jabora, cette très belle infrastructure sportive, de la première victoire d'une sélection nationale du Cameroun sur ce stade. Alors, je vous transmets les félicitations du gouvernement et comme le chef de l'État m'avait demandé de vous les porter en permanence, lui, le premier supporter des Lions Indomptables, lui, le concepteur de ce bel édifice dans lequel nous nous trouvons, je voudrais vous réitérer ces félicitations et surtout vous encourager à aller de l'avant. La prochaine étape, c'est celle des demi-finales. Vous devez dès à présent commencer à préparer cette étape, à vous apprêter à la franchir. Avec les ingrédients dont nous parlions tous hier soir, c'est-à-dire l'engagement, le talent, la ferveur, la foi, la croyance en vos compétences, en vos ressources, en vos énergies, et surtout avec ce fighting spirit qu'exalte si puissamment le président de la République, son Excellence Rodia, nous sommes sûrs que vous allez y arriver. Et alors, puisque nous vous avons toujours motivé, nous vous annonçons comme prime spéciale, la dernière fois c'est combien? La prime spéciale du chef de l'État, n'est-ce pas? Nous allons donc la faire passer à 7 millions. À toutes les autres primes qui sont conventionnelles. Celle que vous savez, c'est une prime spéciale, une prime d'encouragement à aller de l'avant et après le demi-finale, nous le retrouvons.